Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment changer en fait les ampoules de plaques. Ouais, les ampoules de plaques. Moi je les change parce que les deux, en fait j'ai les voyants sur le tableau de bord qui s'allument, donc j'ai les deux qui sont mortes. Donc en fait c'est simple, soit vous prenez un petit truc en plastique comme ça, soit vous prenez un tournevis. Donc en fait, vous voyez, vous le placez là, vous tirez, vous voyez ça tombe tout seul. Là vous avez juste à l'enlever en fait, voilà. Vous voyez, regardez, elles sont toutes noires. Sachant que sur BMW, même si vous en avez une qui est bonne et une qui est morte, le voyant ne s'allume pas. C'est seulement quand les deux sont mortes que ça s'allume. Donc je vous le dis au cas où. Après, moi je vais en profiter pour mettre des LED. Ok, je vais les mettre là. Voilà. Donc ça arrive que les LED elles soient un petit peu plus petites. Si vous voyez que c'est plus petit, en fait, vous resserrez légèrement comme ça là. Et après, vous la placez. Donc c'est pareil, on la clipse, voilà, comme ceci. Et je vais remettre le cache de droite à gauche. Voilà, je vais aller mettre les clés, je vais aller voir si ça marche. Bon, je vais d'abord changer ça là, on va voir les deux après. Voilà. Donc là c'est pareil, je l'enlève. Voilà. Je resserre légèrement parce que je sais que les LED elles sont un petit peu plus petites en général. De pas beaucoup, mais bon, voilà. Après on va remettre le support dans l'ampoule, la petite plaque, voilà. Donc là les deux elles ont été changées, je vais aller voir, je vais mettre le contact, on va regarder ça. Alors, et normalement quand je mettais le contact, en fait ça mettait les deux veilleuses là. Donc hop, voilà, déjà ça s'allume plus, on va voir ça. Et voilà, ça a été changé. Donc la nuit, bah là on est en pleine journée, mais la nuit vous allez voir, ça va bien s'éclairer. Voilà, moi j'en profite pour mettre des LED, comme ça change moins souvent. Et normalement c'est censé tenir longtemps. Voilà, voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et c'était comme ça pour changer les ampoules de plaques sur une BMW E46. Voilà, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao.